שבת פרק עשירי, דף צדיק ג' עמוד ב', צדיק ד' עמוד א'. שבת שפיט דיס, פאז' כתכונת חז' ב', כתכונת א', שוקור דידי לחולי עמו ישראל, גלמה לעילוי נשמת כל הנספים באסון של מירון, לעילוי נשמת מרת, אשתי הרבנית, הנט ותמסודה שנפטרת לבית עולמה כשבוע הזה, להצלחת, לרפואת כל חולי עמו ישראל, תו ceux qui sont encore frappés par la maladie, ceux qui sont malades ici, nos malades que nous connaissons, Rabbi David Nissim Ben Aisha Asulin, également Yitzhak Ben Esther, Rabbi Shmuel Ben Liba, ומאיר מישל אביטבול בן שימי, גם כן לרפואת מרים בת זוהרה, סופי ופי בת לאה, גם כן אלכסנדרה אסתר בת לונה פטריציה, גם משה בן סולטנה ומרדכי מרקוס בן חסיבה. נובל משנה. המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכל. כלילו שיעור דולה הוצאה פור לזלימו. נדי זה גרוגרת. גרוגרת. Celui-là, il a sorti moins que Grogeret. On sait qu'il est mitchayev. Il n'y a de chiyuv que lorsqu'il sort le shiur. Moins que le shiur, il n'est pas chayev. Bien que moins que le shiur, il n'est pas chayev. Il le sort dans un kili. Il prend une assiette. Et ce chiour de moins que gros guérette, il le sort. Dans l'assiette, il y a un chiour. Et un chiour. Ce n'est pas un chiour de gros guérette. Parce que, mais un chiour, c'est un objet. Rabbi, pour le ochel mehila, pour le ochel, il n'est pas hayav, mais sur le keli, il est hayav de hotzara. Il est pas tour. Ah, ouais. Oui. Patour avant la keli. Pourquoi? Parce que chaque keli fait là l'eau. Le keli est secondaire pour ce qu'il a emporté. Si jamais il y avait le shiur, donc le keli est nécessaire parce qu'il y a un shiur de même qu'il est hayav, on va le voir. Donc le keli ne joue pas un rôle important par le fait que ce qu'il a sorti, il n'est pas hayav pour. Il y a moins de dans le shiur. Il veut qu'il n'est pas hayav, il ne serait pas hayav aussi pour le keli. Parce que le keli est secondaire.
également et hachay bamita patur afala mita shamita tfelalo. On sort un enfant vivant dans une mita, dans un lit, et on sort le lit et on sort l'enfant, on le transporte dehors. On a un principe, Hay, Nosé et Tatsmo. Le Hay, le vivant, il se transporte lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de. Comment dirais-je, on n'a pas besoin de le transporter. Il se soulève lui-même, il participe, il se transporte. Nosé et Tatsmo. La mita aussi, le fait qu'elle est secondaire par rapport à lui. Si jamais j'avais besoin de la mita pour le sortir, alors à ce moment, même pour la mita, il serait hayab. Mais maintenant qu'il n'est pas hayab pour le vivant, parce qu'il se transporte lui-même, la mita aussi est fait la loi, il n'est pas tour à faire la mita. Et à mettre ma mita. Mais si ce n'est pas du tout un être vivant, c'est un maître. C'est un mort. Les hayab af'ala mita. Ken. Vechen kazait. Minamet. Kazait minanevela. Kadasha minasheretz. Hayab. Alors, quand on sort. Pas seulement un mètre entier. À partir du moment où on nécessite pour qu'il y ait une touma de mètre kazaït, ou bien kazaït mina nevela, qui est métamètre, ou kaadasha, comme une lentille, mina sheres, pour le sheres. Hayab, Verabi Shimon, Poter. Rabbi Shimon, il est Poter. Je voudrais qu'on lise Rashi, parce que plus tard, on aura besoin de lire un peu Tosfot pour ce Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Poter. Afilu Bemet Shalem. Dehave Melacha She'ena Tzricha Legufa. וכל מלאכה שאינה צריכה לגופה, דברצונו לא באה לו ולא היה צריך לה, יכך לב מלאכת מחשבת היא לרבי שמעון. הראשי דיפיסיל. Expliquer d'abord le principe de Melacha She'ena Tzricha Ligufa. Par exemple, j'avais besoin du sable, Shabbat. Et j'ai pris une pioche, j'ai fait un trou
qui creusait. C'est une mélacha ou ce n'est pas une mélacha? Creuser. C'est une mélacha. Mishum harisha. Choresh. Ça va? Est-ce que j'ai besoin du trou? Oh, Hofer Gouma. Gouma? Oh, Hofer Gouma. Hasser Gouma. Hofer, Hofer. Mais il y a Hofer. La saute, la saute un trou. Pour faire pas besoin du trou. Hofer Gouma, Hofer Gouma. Il n'a pas besoin de la gouma. Il n'a pas besoin de la gouma. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Comment c'est ça? C'est ça, tu dis Hofer Gouma, ça veut dire qu'il a fait. Lui, il a besoin de sable. S'il pouvait avoir le sable sans creuser, il l'aurait pris. Donc le fait de creuser, c'est une mlacha. Je n'ai pas besoin d'être offert. J'ai besoin du sable. Ça, c'est ce qu'on appelle melacha shenatzricha legufa. Rabbi Shimon Poter, il y a Filou Bemet Shalem. Filou Bemet Shalem, il le sort dans la mi-temps. Il n'a pas besoin de la mi-temps. Il a besoin de faire sortir le maître. Donc, si une mlacha, she'enat tzricha l'igoufa. Et regardez ce qu'il dit. De'ave melacha, she'enat tzricha l'igoufa. Ve'chol melacha. Rashi, v'chol melacha she'ena tzricha l'igufa. Je n'ai pas besoin. Ella l'esaleka me'alav ave melacha she'ena tzricha l'igufa. C'est-à-dire, il ne veut pas le résultat, mais il veut la faire, l'esaleka me'alav, la faire partir de lui. C'est-à-dire, s'en débarrasser. Di birtsono lo ba'alo. C'est-à-dire, cette melacha, il ne l'a pas voulu, c'est-à-dire, il ne l'a pas du tout prémédité. Veloaya tsarikhla. Lui, il veut sortir le maître. Il ne veut pas sortir le lit. Le fait de sortir le lit, ba'alo shelo birtsono. Quand on a sorti David Ameler, le seul moyen pour le sortir, c'était de le mettre sur une mita. Alors, c'est de ça exactement de quoi on parle, mais ça prenait absolument cette mita-là pour pouvoir le sortir. Alors, est-ce que Tzricha Ligoufa ou le Tzricha Ligoufa? D'abord, de quoi vous parlez? David Amelech n'a pas été sorti du mita. David Amelech était exposé et tombé. Non. Et il ne fallait pas du tout attendre après Shabbat. C'était Shabbat. Soleil et c'était après. Shabbat. Voilà. C'est pour ça que, ouais, c'est ça ce que je... Alors, ils l'ont pas pris dans un lit. Ils l'ont mis à l'ombre. Ils l'ont déplacé à l'ombre. Ils l'ont déplacé à l'ombre pour lui. Pour ne pas du tout qu'il se dégrade. Mais comment ils l'ont déplacé? Avec leurs mains? Mais oui. Non. Avec leurs mains? Avec Kikar. Shlomo HaMelech a demandé à... Au Hachamim, les Hachamim lui ont dit, mets un pain sur le mort et déplace-le. Kikar Otinok. Mais auparavant, il ne l'avait pas. Vous nous aviez enseigné une fois
que Shlomo HaMelech avait fait appel aux oiseaux, aux aigles, pour venir le couvrir. Le couvrir, pourquoi? Parce que c'était Shabbat et qu'on ne pouvait pas le déplacer. On peut le déplacer. Il a demandé à Shlomo HaMelech et les Hachamim lui ont dit, voilà comment il pouvait le déplacer. Avec un pain dessus. À Gave, un pain dessus. Un pain dessus. Ou bien un tinoc. Ça va, il n'y a pas eu de... Il n'a pas été sorti. Non. Il n'y a rentré. Ça va? Cette mlacha, il ne la voulait pas. Il l'a obtenu. C'est une mlacha shena tzricha ligufa. Hilkach, la melechet mahashebeti, de Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, lui, il dit poter. Mais Rabbi Yehuda est contre dans la mlacha shena tzricha ligufa. Rabbi Yehuda, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב. ואם בשביל החולה, שישן, פטור. פטור. בשביל החולה שישן פטור, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא ילבק לחולה דורם. רבי יהודה אלי מחייב פה מלאכה שאינה צריכה לגופה. הרמב״ם, il est פוסק comme Rabbi Yehuda. הרמב״ם פוסק comme Rabbi Yehuda, כמלאכה שאינה צריכה לגופה, il est חייב. לא, רזומנו, למשנה דית. Pourquoi? Parce que c'est cliché? C'est quoi la raison? C'est מלאכה. אבל אין הצריכה לגופה. סבא, מתווהפים מלאכה. דן לו העניין שאינו מתכוון. רבי שמעון הידי פטור. רבי יהודה קיסקידי. חייב. ידי חייב. לבא, פסיק רישה. וכאן תודי, Tu prends une maravahatina, tu prends une pelle et une pioche pour creuser, pour avoir le sable. Certainement, tu vas faire un trou. Tu vas faire un trou. Ce trou était nécessaire. Alors, on va résumer. Si il sort le ochalin moins que Grogeret. Et dans un keli, afala keli, il est patour. Non seulement pour ce qui est pachot mikashirur, ça va, c'est également quand le keli est fait à l'eau, s'il sort un chai, un enfant, avec sur un lit ou sur une agala, la chai noset atzmo et la agala est fait la l'eau. Qui je dois faire sortir? Je fais sortir l'enfant, le bébé, pas la agala. La agala est fait là à l'enfant. C'est pour cela qu'il n'est pas hayab. Bah, si c'est un maître, il est hayab à filo pour la mita. Parce qu'il n'est plus fait là l'eau. Et c'est également si Kazaït Minamet avec un Keli ou Kazaït Minanevela, Kazaït Minanevela dans un Keli, le Mithayev, on va voir comment il est Mithayev Afala Keli. Ça va? Rabbi Shimon Potter. Et Rabbi, on va dire que pendant tout le Shabbat, il n'aura pas droit d'utiliser. Donc aucun ce keli là, ce keli il ne sera pas touché pendant tout le Shabbat. Il ne servira que pour ce pain qu'il a sorti et rien d'autre. Ken? De quoi vous parlez?
ce qu'elle est. Alors, dites-moi dans quel scénario on est. On est dans le scénario où quelqu'un veut sortir un morceau de pain et il a sorti moins que Kagrogeret dans un keli, sur un keli. Maintenant qu'on a dit il n'est pas hayav, Bishimon, il est hayav, mais Bishimon, non, il n'est pas hayav parce qu'il n'y a pas de shiur de Ochel. Alors il dit hayav à la keli. Oui. Pas hayav à la keli, afilou à la keli, il n'est pas hayav. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Le keli. D'où il devient Moukse ce keli. Tu l'as sorti, tu n'es pas hayab. Mais tu n'es pas hayab parce qu'il n'est pas tafel, il est tafel au pain qu'il a. Ce n'était pas sa marchava de sortir ce keli pour. C'est pas l'indien de marchava. Un indien où il a servi à quelque chose qui n'est pas hayab. Oui. D'accord. Il y a accessoire. Oui, mais après, est-ce qu'il peut l'utiliser pour autre chose? Parce qu'il l'a sorti et maintenant il n'est pas hayab. Est-ce qu'il aura le droit de l'utiliser par la suite? Si c'est un keli qui n'est pas moukhtse, il peut le toucher, il peut le déplacer. Alors à ces conditions-là, quelqu'un va sortir un keli, mettre un petit morceau de pain dessus et après l'utiliser plus tard et il ne sera pas hayab de haute sa'at keli be Shabbat. On va parler s'il sort le keli bemezid, il est hayav karet. Il n'a pas sorti bemezid, il a sorti avec un pain. Il est non, vous voulez le sortir comme ça. Vous dites, rappelez-vous ce que vous avez dit. Ouais. Il met un morceau de pain pour sortir le keli. Ouais. Ça veut dire qu'il veut sortir le keli. Alors c'est ça. Alors il faut que ça marche pas. Alors on va voir. Quand il est shogeg pour le ochel et mezid pour le keli. Va le voir. Merci. Et si vous donnez un petit peu la chance au coureur qu'il arrive à destination. Tanoura banan. Amotir Ochalin Kashiur, celui qui sort des aliments Kashiur, c'est-à-dire. Grogeret ou plus. Combien? Grogeret ou plus. Grogeret. Grogeret. Im Bakeli Hayav ala Ochalin. Patour à la keli. Si il le sort dans un keli, il est hayav. Il est hayav sur les ochal. Ce qu'il a sorti comme aliment, il est patour à la keli. Pourquoi? Parce que il n'avait pas besoin du tout de keli. Mais il a pris le keli pour pouvoir sortir ce qu'il avait à sortir. Alors on continue. Vimaya keli tsarich lo hayav afala keli. Et s'il avait besoin du keli, bon, s'il n'a pas besoin, mais il a sorti pour l'aliment qu'il va faire sortir. Du fait qu'il est hayav sur le keli, sur l'aliment. L'aliment, il n'est plus hayav sur le keli. Mm-hmm. Aval, s'il veut l'aliment et le keli, il veut sortir les deux, hayav aussi à la keli. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a deux hiouvim. Un hiouv sur kazaït, que Grogeret et un hiouv pour le keli. De là, la Gemara dit Shema Mina. Je déduis de là
אוכל שנזיתי חלב בעלם אחד חייב שתיים. S'il a mangé deux olives de chélev, deux volumes d'olives de chélev de graisse interdite, be'alem echad, c'est-à-dire avec le même he'alem, c'est-à-dire d'un seul coup, la même connaissance, c'est-à-dire il n'y a pas eu de séparation entre le premier et le deuxième. Une connaissance, une conscience de la consommation du premier, Kazaïd de Hélev, et une deuxième, c'est Be'alem Echad. Conscience, d'un seul coup, il a pris les deux. Il est Hayav Shtaim. Khatat. Regardez. La Gemara tire cette conclusion du fait qu'on a dit il a sorti le shiur de l'aliment dans un keli et il avait besoin du keli. Et on a dit Hayav Shtaim, Hayav pour l'aliment et Hayav pour le keli. Ça veut dire, alors, d'où la conclusion de cette braïta, si il est ochel be'alem echad, hayav shtaim, et be'alem echad hayav shtaim, non, hayav echad. Hayav echad. Be'alem echad, c'est comme s'il avait mangé la grandeur de deux kazaït en un seul morceau. Le halem, c'est ça. Il ne savait pas que le halem était assour. Et personne ne lui a fait remarquer. Alors, c'est ça, halem had. Dans l'inconscience, une inconscience totale, depuis le début jusqu'à la fin, il a mangé deux. Il est hayav seulement un seul. Alors, Barab Sheshat, Hachave Ma'askinan, quand on a dit s'il sort qui grogeret ochel, et dans un keli, il est haya pour le keli parce qu'il a besoin du keli, Barab Sheshat, il dit Kegon, comment tu peux expliquer cela? Sheshagag ala ochalin, vehezid ala keli. Il a pris par inadvertance sans savoir. Shogeg le hayav hatat aval le keli. Il savait que le keli était assur. Il l'a sorti. Hezid le hayav karet kegon sheshagag ala ochalin. C'est-à-dire, quand on a dit Hayav Shtaim, Hayav Hatat pour le Ochel, parce qu'il y a Shgiga, et Hayav Karet pour le Keli, parce qu'il était Mézid. Monsieur le Rabbin, j'ai une question. Le Kegon de Rav Sheshat, est-ce qu'il faut le traduire par exemple, ou alors c'est le seul exemple que lui il peut imaginer? C'est un exemple ou c'est le seul? Le seul. C'est le seul exemple. D'accord. Kevon, ça veut dire que notre Braïta, quand il a dit Hayab Afala Keli, tu ne peux l'expliquer que comme ça. Matkif lah Rabashi. Rabashi n'est pas d'accord avec Rav Sheshat. Lui dit,
Ton interprétation, Rav Sheshat, ne correspond pas du tout au langage de la Braïta. Dans la Braïta, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Hayab Af Ala Keli. Hayab Af. Même pour le Keli. Qui ça veut dire même? Moshe, Anielo, Shomea. Ça veut dire qu'il y a deux accusations. Il n'y a pas deux accusations. Deux condamnations, je veux dire. Le même Af'ala Keli, il établit une identité dans la condamnation. Il lui dit, tu es en train de me dire. Il veut dire les deux fois un? C'est ça ce qu'il veut dire, les deux font un? Non. Les deux font la même condamnation, c'est-à-dire deux fois la même condamnation. Du même type. Ah. Oui, du même type. Alors, deux fois Shogeg. Deux fois Hatat. Deux fois Hatat. Deux fois Hatat. Deux fois Shogeg. Deux fois Hatat. Voilà. Alors, s'il est deux fois Hattat, on est retourné à notre première question. La question, c'était de savoir s'il mange deux olives de Helev, Be'alem Echad. Hayav Echad. Hayav Shtaim. Kacha Ketuv. Hayav Shtaim. Donc, on va découler de là qu'il y a Hayav Shtaim, or on sait qu'il y a Hayav Bahad. Si Rav Ashi rejette l'interprétation de Rav Sheshat, ça veut dire qu'on revient à notre première question. Alors, notre première question qui dit Hayav, mais pour le Keli, ça veut dire que il y a deux condamnations pour un Alem. Ella Amar Rabashi. Voilà sa proposition à Rabashi. Kegon chez Shagag, basé ou basé. Il a eu un Shogeg, basé ou basé. Dans le Shiaur du Ochel. Et le Keli, Shagag, basé ou basé. Benodalo. Vehatar. Benodalo. Il s'est rendu compte après. Le hasard, il a repris. Ouais, il a repris. Ça, c'est une hatat à chaque fois, c'est deux hatat. C'est plus de hatat, c'est imnodalo. C'est ça, beglalze. C'est à cause de cela que si nodalo qu'il a mangé la première fois, alors il a été shogeg, il est hayav sur cette fois-ci-là. Maintenant, si il a mangé encore, d'accord, il l'a oublié, il a mangé encore une deuxième fois, nodalo entre les deux manger nodalo. De quoi parle Rabashi Yaakov? Il est basé ou basé chez Nodalo. Pour les deux, il a su. C'est le même oubli. Non. Kilo be'alem echad. Non, c'est le basé ou basé. C'est le basé ou basé. C'est le basé ou basé. Nous avons deux cas. Un cas de Hotsa'a. Bon. Un cas de Hotsa'a avec le Keli. Et là-bas, on a dit Af'ala Keli. Il est Hayab Af'ala Keli. Bien Rabashi nous parle de Af'ala Keli. Ça va? C'est sûr que si quelqu'un il a mangé deux kazaït, il a hayab ahad. Et alem ahad. Alem ahad, nodalo qu'il y avait deux.
וחזר ואכל, il est חייב combien? חייב שתיים. on a dit. Ben oui. אבל לא שוגר, לא בשוגר השנייה. נודע לו. נו, il s'est rendu compte après. Alors c'est là la מחלוקת, אם הידיעה מחלקת, או לא מחלקת. Alors on revient à ce que dit la מחלוקת פלוגתא de רבי יוחנן et Resh Lakish. Est-ce que la הידיעה, la connaissance qu'il a eue, on a vu cela déjà, on a vu cela dans les haies dans Amoud Alef. Amoud Alef. Aïn Alef Amoud Bet. Aïn Alef Amoud Bet. Aïn Alef. Aïn Alef. Fekhabni. On a eu Mahloket entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish. De Rabbi Yohanan, il dit Ken, ça va. האם ידיעות מחלקות או אינן מחלקות? רב ששת ידיע, אין ידיעות מחלקות. תנזכור רב השי לסובר, כן, כידיעות מחלקות. Je répète, Matifla Rabashi. Rabashi s'oppose à ce que dit Rav Sheshat. Rav Sheshat, il dit Shagag ba'ochel behizid ba'keli. Ça va? Ça veut dire qu'il est hayav hatat et karet. תקיף לה רבשי, רבשי, לקונטרי, ידידי, האף על הכלי קטני. ונדי, מם פור לו כלי, מם פור לו כלי, סבדיר, אלה חייב למם, למם חיוב. אלא אמר רבשי, כגון ששגג בזה ובזה, ונודע לו, וחזר ונודע לו. וואלה, כן. רבי שידי, כגון ששגג, בזה ובזה, אדון לאוכל, אדון לכלי. אם פקי לפה, כי לסורתי, נודע לו. אי לפה דנובו. ונודע לו כי לפה אנקור דנובו, כן, זה בדיר כאילו אוליה, זאת ידיעה וחזר. יש כולה ידיעה, לפרומר ידיעה, וכלל דוזים ידיעה פון, כי לפה דופו על השוז, ונום. זה מחלוקת רבי יוחנן ארש לקיש. ארש לקיש. דהיינו רב ששת, לי די אין ידיעות מחלקות. תוניס קורבשי די ידיעות מחלקות. לשגג בזה ובזה. רבי, alors c'est quoi la différence pour רבשי pour dans העלם אחד ou נעלם ממנו וידע ואחר כך חזר עוד פעם? אם נעלם והייתה לו ידיעה. כן. ותדעי, attention, שכותו המוזה, תו המוזה, דו. וחזר ושגג. שאת ידיעה פה רבה שיפה, כי לה חייב על זה ועל זה. שני חיובים. שתיים רעות עשה עמי. שני חיובים על... של אחת או שני חיובים של שתיים? אם ידע שהיו שתיים. כן. שניפלו העלים אחד.
Il y a eu un Non, mais... à Chaviedia, Garodiedia. Donc il est d'accord. Alors, comme s'il y avait un Alem des deux, et Alem des deux, Noda, et après ça, il a eu un autre. Chez Noda, il a recommencé. Alors, sur les deux premières, une hatat, et oui. Sur la deuxième fois, seulement encore une hatat. Non. Alors, Hayav, pour les deux. Chacun à part. Ça fait trois. S'il a fait, c'est trois. Une hatat. Dans le premier Rabbi Mehila, dans le premier, il y avait basé, ok, Be'al Mehad. Oui. Ok. Pourquoi Pourquoi il est Hayab Shtaim? Il te dit, il a fait Be'al Mehad. On lui a dit, hey, attention, ça, il y avait deux. Mais il est Hayab combien? Un. C'est ça. Chara. Oui, il a mangé les deux. Veno Dalo, il a mangé les deux. Il est Hayab combien? Une fois. Encore un. Ça fait deux. Oui, le un du premier et un du deuxième. Voilà. De la... Et pas trois. Non. Mais là, alors, le deuxième, c'est Bidia, c'est le deuxième qu'il a fait. On est allé à Mimeno Gama Pamachnia. On est allé à Mimeno. Of course, chaque fois il y a eu un alem. Est-ce que les idiot sont mechalikot ou non mechalikot? Rabbi Shil te dit oui. Ça va? Mais Rabbi Shil, il aurait dit la même chose, Rabbi, sur les deux premières. Tosfot. Bikuta de Rabbi Yohanan Rish Lakish. Pirush. Hayav shtei hataot le Rabbi Yohanan. Shinoda lo vechazar vinoda lo. Lidiaot mechalikot. Il est hayav deux hataot. Parce que hazar vinoda lo. Noda lo la première fois que c'était Shnaim. נעלם ממנו וחזר ונודע לו, ריש לקיש, אחר שנתכפר, נודע לו על אחד, סייסה, אינפה, כי להייתי מתכפר, סולמו. נתכפר סביר מחילה, כי להמניין קורבן. זה חטאת. חטאת. כן. פירש הקונטרש, אין יראה לרי. דניי דליתלי, לרב שישת ידיעות מחלקות, בכל מקום יעמיד בנו דעלו על האחד, שכבר כיפר דקפרה לכולי עלמה מחלקת. קונצי לפורטו קורבן, שפיני, שיינו בו אקט. ועלה רבותיי. Si vous avez besoin demain, on va reprendre. Ça va, c'est bon, c'est bien. Alors donc, le mahloket reste la même, parce que maintenant, c'est un autre scénario. Le fait qu'il a fait le korban, maintenant, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est plus la même. Non. Pour Rabbi Yohanan, je m'explique l'idée. Parce que je te dis, l'idée à elle seule ne... L'homme est halaké. Une deuxième fois. Alors, c'est comme si c'était dans le même alem pour lui. Oui. Donc, il n'a pas apporté la kappara. Il n'a pas apporté la kappara. Alors, puisqu'il y a eu un deuxième alem, c'est comme si c'était un seul alem dans le tout. C'est le même alem. Le même alem du premier. Ça va? Alors, on est
Dieu a mincha. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.